Venez juste avec moi, je vous montre cet appartement. C'est un appartement d'une chambre et salon à Kinshasa. Il y a de l'espace. Là, c'est déjà la chambre. Donc, on ne va pas l'appeler master parce que c'est une seule chambre. C'est la seule chambre qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a une vue ici? Je ne peux pas voir parce que c'est la nuit, on filme cette vidéo la nuit. Donc du coup, la chambre elle est aussi spacieuse. Ça peut prendre un king size ici à l'intérieur. Et le truc est que ça sera meublé en plus. Donc du coup, si ça sera loué par jour, les 10 jours, une semaine comme Airbnb, tous les détails seront dans la description. Et ça, c'est la salle d'eau. C'est vraiment, vraiment un bon standing que vous pouvez avoir à Kinshasa. Et il y a une cuisine de l'autre côté, si je n'abuse pas. Il y a juste la cuisine d'ici, ici. Voilà, une cuisine qui sera aussi équipée. Toutes choses, vous avez plusieurs placards en fait. Vous avez vraiment de l'espace pour des vacances de 2-3 semaines ou une semaine, ça sera un truc vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, les contacts de l'agent seront dans la description de cette vidéo. Si vous voulez beaucoup plus de vidéos sur les real estate à Kinshasa ou sur l'immobilier à Kinshasa, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un like sur cette vidéo. Après cette longue journée de tournage avec Sungu, je me pose ici. On est à la place des Évolués. Je viens de faire un stop à la place des Évolués. C'est beau Kinshasa. Il y a une chocolaterie là-bas. Il y a une chocolaterie là-bas. Chocolate something. Et là, je vais prendre ces burgers que je commandais à... Où ça? On était où? On était à Tandoor. Je commandais à Tandoor. On n'a pas traîné. Je l'ai emporté juste. Parce qu'on devrait faire. Donc du coup, on est toujours avec Tsumbu Umba, qui est un des grands youtubeurs de la ville de Kinshasa, quelqu'un qui a filmé tout Kinshasa. je vais mettre les liens vers la chaîne de Tsumbu dans la description. Allez voir tout Kinshasa sur sa chaîne. Là, je vais vous présenter ces Airbnb d'une seule chambre. Vous avez tous ces salons qui est à vous et cette salle à manger qui est tranquille, vous pouvez vous mettre ici tranquillement. Vous pouvez manger ici et vous mettre à regarder Netflix, Canal Plus là-bas. Canal Plus est inclus dans le logement et vous avez un fridge. Un réfrigérateur avec beaucoup d'espace en fait. Vous avez beaucoup d'espace ici et une zone plus froide là-bas. Et vous avez directement une cuisine américaine qui est ici. Avec des placards. Et c'est bien équipé en fait. Cet appartement est déjà équipé. Et donc, lorsque vous venez louer ici, vous allez juste venir avec vos habits, vous aurez déjà tout et cette magnifique vue. Voilà, vous avez une vue qui est juste là. Ça, c'est le salon et je vais vous présenter tout ce qu'il y a comme au niveau de la chambre ici. Thank you.
déjà à l'intérieur de la chambre et c'est spacieux. Il y a un queen size bed et vous avez un endroit où poser vos habits, poser votre valise et des tiroirs ici. Donc du coup, vous pouvez utiliser ici pour le shower aussi pour se laver et l'autre toilette et douche de l'autre côté. Alors, c'est Airbnb est mis en location et c'est en plein centre-ville, en plein Gombe et c'est loué à 80$ le jour. Vous pouvez faire une location mensuelle aussi, mais c'est à 80$ par jour et vous avez tout ce qui est inclus ici. Voilà, les meubles, la connexion internet. Je vais mettre tous les détails pour booker ces Airbnb dans la description. Vous pouvez la booker et rester pendant une semaine à Kinshasa en plein Gombe et être vraiment vraiment à l'aise parce que c'est un coin sécurisé. On est non loin du boulevard du 30 juin ici, on est non loin des Wuileries, donc du coup, et on est non loin du marché, du grand marché, donc du coup c'est un coin vraiment sécurisé. Et c'est un coin qui est vraiment, vraiment top. Donc, tous les détails seront dans la description. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.